Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec mon frère Ethan. On n'est plus à Paris, figurez-vous. Là on a voyagé, on a fait un petit trajet de Paris jusqu'au sud de la France. Et là on est au port Le Cat. Et c'est pour un événement très particulier, puisque vous savez, je fais des doublages, tout ça. Et il y a un festival où il y a des avant-premières de films avec des voix dedans. Et comme j'ai fait la voix de Madeleine dans Jean-Christophe et Winnie, eh bien j'ai été invitée et j'ai un petit pass, regardez. VIP. Yes. Ce festival se nomme Voix d'étoiles. J'ai vraiment hâte d'y être et de voir toutes les animations. Go! On arrive à un moment où il y a beaucoup de vent, ça souffle énormément. Là, on entend même un peu au travers de la vitre. Donc nous voilà arrivés, on a une sorte de petit appartement trop mignon. Même si on va pas manger ici parce qu'on est invité au restaurant plusieurs jours où nous sommes présents. Ici on a des lits, la petite vue sur la terrasse, une table des chaises, un canapé ici, une salle de bain là et cette vue magnifique. C'est le journal de Mickey, ouais. Qui parraine les voix d'étoiles. Ouais. Regardez ces jolis papiers. C'est trop bien. C'est un peu en rose, je dois donner les bandes. Allez, alors, donc regardez bien les derniers en piste, parce que ça y est. En fait, on a deux flashs. Il y a des enfants qui regardent les schtroumpfs. Tu regardes aussi la chaîne? Oui. Ah, on est content qu'il y a des garçons qui regardent la chaîne. Moi aussi. Je suis même la meilleure amie à l'abonner. Ah, c'est chouette. Sur la fiche là, voilà. Et du coup j'ai signé des autographes pour les enfants. Ici là il y a un endroit signature. D'accord. Donc en fait c'est pour chaque personnalité. On peut signer. Il y a tes compères à côté de Winnie. Oui, Winnie Lourson, Patrick Préjean. Donc vous l'avez vu ce matin? Oui, on l'a vu ce matin en famille. C'était un super beau film. On a tous pleuré, mais aussi de joie. Et puis je trouve pour les adultes, bah, c'est génial de voir l'importance de l'enfance aussi, de retrouver son enfant, même quand on est adulte. Et j'ai adoré la fin avec la réplique de Winnie que j'adore. On est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui et aujourd'hui, c'est mon jour préféré. Voilà, ah, ça j'ai adoré. Est-ce que vous savez ce que les bananes doublent dans Winnie? Elle fait la voix de Madeleine. Oui. Très bien. Merci à vous. Merci.
quatre réservés pour vous mettre là. Merci. De rien. Marge et Homer Simpson, Philippe Pétieux, Véronique Ojon. C'est aussi sa femme dans la vie, hein. C'est pas que dans la série, il y a des hommes en jaune, c'est aussi dans la vie, hein, Marge. Bah oui, mon petit Arnaud, qu'est-ce que tu veux? Puis on ne change pas une équipe qui gagne, hein. On a rendez-vous au casino, d'habitude on n'a pas le droit d'y aller quand on est mineur. Mineur, oui. Tout à fait. Et là on va y rentrer. Bienvenue. Son frère Ethan, sa maman. Bonjour. Bonjour. On a la Benjamine du casting des voix qui est avec nous, Levana. Je crois qu'on peut l'applaudir. Avec un présent, avec les voix célèbres. Et là, elle va assister avec vous à la projection. Je suis très heureux de la présenter, de lui laisser vous dire un petit mot avant la projection. Tu as la parole. Je suis ravie d'être ici pour ce festival, les 13 ans de ce festival. Moi, vous allez sûrement reconnaître ma voix, je suis Madeleine, la fille de Jean-Christophe. Et vraiment, c'était mon premier Disney en doublage. Et j'étais vraiment très très heureuse. C'était très bizarre. Et voilà, j'espère que bon visionnage et passez une bonne journée pendant ce festival. Je pense que vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle mûrisse. Elle a déjà du talent et elle n'a pas de souci pour s'exprimer en public. À tout à l'heure, bonne projection. Alors on te voit évidemment sur la série TF1, nos chers voisins. On m'a dit que tu étais aussi très présente sur les réseaux sociaux. Oui, je suis sur YouTube, sur Snapchat, enfin, ouais. Voilà. Et dans ce film-là, qui es-tu dans ce film-là? Je suis Madeleine. Madeleine, vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà. Et alors, comment s'est passé l'enregistrement? Alors, on va échanger avec vous, hein, dans un instant, ne soyez pas timide. Mais alors, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que vous êtes toujours tous ensemble dans le studio pour enregistrer ça? Et on sait évidemment que c'est souvent pas possible à cause des emplois du temps des uns et des autres. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'étais souvent seule, mais une fois, j'ai été avec Jean-Christophe. Ah, oui. Voilà, et j'ai fait quelques séquences avec lui. T'as vu les ballons? Ah ouais. Alors, c'est mignon d'avoir une émotion, c'est très bien. C'est très bien. En parlant d'étoiles, c'est bientôt Noël et j'ai déjà reçu un cadeau. Il est dans la hotte. Regardez, c'est une lune, et c'est pas n'importe quelle lune. Et il y a différentes couleurs, je crois qu'il y en a trois. Il y a celle-ci, il y a celle-ci, et il me semble qu'il y en a une un peu plus claire si j'appuie par là.
Et il y a cette couleur aussi, c'est du blanc un peu gris. Tu peux retrouver cette lune dans la description. Il y a même un code promo. À bientôt. Leave a note.